Le Premier ministre a parfaitement expliqué d'abord qu'il comprenait que nous ayons été heurtés, que ses propos n'étaient pas précisément comme ça qu'il fallait les comprendre. Il a réexpliqué de façon très claire qu'il n'était pas question de remettre en cause l'abattage rituel en France et de façon plus générale en Europe. Nous ne souhaitons pas que ce débat sur l'abattage rituel devienne l'otage d'une campagne électorale. Nous avons le sentiment d'avoir été compris. Nous savons que nous devons rester vigilants. Parce que cette question, quoi qu'il se passe, se reposera, que ce soit avec les mêmes hommes ou d'autres hommes,